Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce que c'est qu'un binder et un peu comment ça fonctionne et les différentes façons de se binder quand on a... Enfin quand on a envie de le faire. Un binder ça ressemble à ça, donc c'est ce que je porte là. Ça peut ressembler à soit un sous-type de sport, soit une espèce de long débardeur, ça dépend, il y a plein de façons d'en acheter en fait. Ça dépend vraiment du site sur lequel on achète. Je vous mettrai d'ailleurs des sites pour acheter des binders en barre d'infos. Malheureusement ça coûte un petit peu cher, mais c'est souvent des trucs de bonne qualité ce que je vais vous mettre en barre d'infos. Donc essayez, si vous voulez vraiment un truc pas cher, essayez quand même de faire vraiment gaffe parce que c'est important. Donc à quoi ça sert un binder? Un binder ça sert à restreindre sa poitrine en fait. Un binder c'est surtout utilisé par des personnes transgenres, surtout des FTM, donc female to male, quand ils ne veulent plus qu'on voit leur poitrine et donc que leur identité en tant que garçon soit réaffirmée. Et ça peut aussi être utilisé par des personnes transgenres qui sont non-binaires, comme moi, parce que c'est une façon dont ils se sentent mieux dans leur corps. Donc voilà, un binder ça sert à ça. Ça sert à, si t'as de la poitrine et que tu veux plus avoir de poitrine sans passer par une opération, tu t'achètes un binder. Il y a différentes façons de se binder, la plus safe étant un binder. Bien sûr, parce que c'est fait pour que si c'est pas ta taille, tu puisses pas le mettre. Parce que malheureusement, des gens, quand ils se blindent avec des bandages, ce qu'il faut d'ailleurs pas faire du tout, parce que certains types de bandages peuvent vraiment serrer. Plus tu vas respirer, plus ça va serrer, et du coup, ça peut vraiment faire des séquelles et faire très 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 mal. Et le binder, c'est la façon la plus safe de se binder. Parce que en fait c'est fait pour que tu puisses pas le mettre si c'est une taille en dessous de ta vraie taille. Ce qui est safe parce que du coup tu peux pas choisir de prendre des tailles beaucoup plus petites pour toi pour que ça bind plus et que t'aies juste un aspect plus torse plat. Parce que forcément quand on arrive à une certaine taille de poitrine, on n'aura pas un aspect torse plat forcément tout le temps. Il sera pas aussi plat que si on n'avait pas de poitrine, ce qui est normal. Parce que forcément il y a quand même de la matière et on peut pas juste supprimer la poitrine. Donc c'est fait pour qu'on se fasse pas mal. Les autres façons de se binder, ça peut être, si on a vraiment une poitrine pas très importante, on peut juste mettre une brassière de sport, même si c'est pas forcément génial d'en mettre une tout le temps parce que ça peut faire mal au dos. Ensuite il y a avec des bandages, mais il faut prendre juste certains types de bandages et faire très attention quand on prend des bandages parce qu'on peut très vite se faire mal. Donc faut faire vraiment vraiment gaffe et prendre que certains types de bandages. Et c'est vraiment pas recommandé. Et ensuite il y a donc le binder. Et la version la plus extrême, c'est bien sûr avoir une chirurgie pour qu'on nous enlève notre poitrine. Il y a plusieurs types de chirurgie. Il y en a, la plus commune c'est la double incision. Je sais pas si je traduis ça bien parce que c'est double incision, mais je sais pas si c'est dit en français. Basiquement c'est, on va faire deux incisions sous la poitrine et on va enlever les tétons. On va enlever toute la graisse qu'il y a dedans et la peau en plus, donc les surplus de peau, pour pas que ça fasse vraiment... Ce genre de chirurgie est souvent très compliqué, enfin c'est plutôt compliqué pour arriver à en avoir une, parce que je sais pas s'ils en font en France déjà. Je suis pas sûre parce qu'il me semble que j'avais lu quelque part qu'en France être transgenre c'est considéré comme être une maladie mentale. Et si c'est, je suis pas sûre que ce soit le cas, mais si c'est le cas du coup avoir ce genre de chirurgie ça va être vraiment le truc le plus compliqué de la planète. Mais je sais que la plupart du temps dans d'autres pays ce qu'il faut faire c'est d'abord aller voir un psychiatre ou un psychologue et qui vous diagnostique comme étant transgenre, donc qui met bien que vous êtes transgenre et que donc la chirurgie est validée pour cette raison là. Pour cette raison-là, et pas juste parce que vous avez envie d'avoir une plus petite poitrine. Dans ce cas-là, s'il faut faire une réduction mammaire, c'est pas du tout la même chose. Donc, ce genre de chirurgie se fait souvent dans le... très difficilement, enfin parce qu'il faut aller d'abord voir le psychologue, puis ensuite il faut être sûr, et ça prend des semaines et des semaines avant d'avoir un rendez-vous, ce genre de choses, enfin, c'est très compliqué. C'est un peu comme prendre de la testostérone, c'est compliqué à faire. Mais au final, je pense que si on a vraiment envie d'avoir ça, c'est worth it. Après, si vous voulez en savoir plus sur comment se binder et la chirurgie, enfin une chirurgie au niveau de la poitrine, pour ne plus en avoir, je vous mettrai des vidéos en barre d'infos de gens qui ont déjà eu ce genre de chirurgie, qui donc ont une expérience là-dessus,
ou qui se bind et qui ont fait des vidéos entièrement là-dessus. Sur ce, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bye! And I'm still